Voilà la moto de Doumia Enza, avec sa vélo aussi, bon, avec sa lit. Depuis qu'il est mort, bon, on n'a pas touché, ça est là. Ils ont mangé Kabato, et chez nous aussi, tout le monde mange ensemble. Ceux qui ont mangé aussi la nuit comme ça, tout le monde est parti. On a eu 5 décès ici. Doumia Enza, lui, il est décédé à Yamoussoukro. Sa femme aussi, Sangaré Mariam, lui, il est décédé à Daloa. Son fils là aussi, Doumia Tchewari, et sa petite sœur aussi, Doussou, et ils ont décédé à Vavoie. Alhamdulillahirabbilalamin, rahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Issacad Yakité es el hermano de Doumbia Insa. Como el resto de habitantes de Miñoré, en el centro del país, Issacad ignora lo que le sucedió a su familia y a los hijos de sus vecinos. Murieron brutalmente entre vómitos tras cenar juntos el 23 de septiembre de 2021. Solo un hijo que ese día no estaba sobrevivió. Je donne ta sorte là, il y a un feu à bon, et c'est ce qu'il faut là. Parce que lui donne qu'on a un mot flatta qui est là. Il y a un mot flatta qui est là. Baram be alba kale dan kra seneni aba ta furu baran ke dron abe ka ba sene abe malo sene o ka ka nu fana ba ta furu kono ni e kafe furu nu tu manya ko se vere vere flan oy at me flan nu ta ka furu pa samire ba le pele ta ka furu pombe nai. Bon, ouais, on peut besoin d'utiliser, mais on peut voir que ni au moins nous y est, ni quoi il vient à que, il sait qu'on manque quelque chose, il gagne non, ni quoi il va que, bon, parce que tout ce bidon il reste dans le coin, tout en même temps il fait un bateau pour qu'on ait. Son esos bidones la causa del accidente? Los análisis oficiales mostraron que la intoxicación la causaron alimentos contaminados con pesticidas organofosforados. Un mes más tarde, las autoridades la atribuyeron a una bacteria E. coli, posiblemente presente en el agua del pozo. Pero Issacad no llegó a ver los resultados. Mɔgɔ si tɛ bɔ nin kɔnɔ tugun mɔgɔ si tɛ parce que depuis ko nin kɛla mɔgɔ yɛrɛ tɛ olu kɔnɔ tugun donc même ta denkɛ nana a taara a taa bamuso ta mɔgɔ ninnu fɛ yen donc mɔgɔ si tɛ bɔ nin kɔnɔ tugun. El accidente que afectó al pueblo de Miñoré no es un caso aislado. Las brutales intoxicaciones por pesticidas suelen ser noticia en Costa de Marfil. Aissata Diakité es la encargada de analizar las muestras extraídas en las investigaciones y tiene bastante claro qué causó esas muertes. Une intoxication alimentaire par Escherichia coli va se manifester par une diarrhée diffuse qui va entraîner un syndrome de déshydratation qui peut conduire au décès, mais pas dans un délai aussi court que 2 ou 3 heures. Donc, je pense qu'on ne peut pas trop se tromper en se basant sur les signes cliniques pour diagnostiquer en tout cas une intoxication aux organophosphorés. Las autoridades han vuelto a abordar la causa del envenenamiento. Sin embargo, a la profesora Diakité le preocupan los organofosforados. Estos insecticidas, similares al gas sarín, un gas de combate, pueden bloquear la transmisión neuronal de información a largo plazo. Son mortales en altas dosis y proliferan en Costa de Marfil. On est dans un pays à vocation agricole où les produits phytosanitaires sont largement utilisés et la disponibilité de ces produits, leur mauvaise utilisation, fait en sorte que l'exposition est très importante et par conséquent, les intoxications sont présentes quand même de façon assez fréquente. Dans 90%, ce sont des intoxications qui sont liées aux organophosphorés. Nous, au Laboratoire national de la santé publique, on ne reçoit que les cas extrêmement graves, mais il y a toute cette exposition-là au long cours, cette exposition chronique à laquelle on est soumis, soit les ouvriers agricoles, soit nous-mêmes des consommateurs. Et c'est un problème qui est à bas bruit, qu'on ne voit pas, mais on verra bien les conséquences dans 10 ans. En África son pocos los estudios epidemiológicos sobre la contaminación relacionada con pesticidas.
A falta de medios, la investigación se centra en la malaria, el VIH o la tuberculosis. La profesora Diakité cree que se infravalora este problema de salud pública. Les pathologies émergentes, c'est vraiment toutes ces leucémies-là qu'on commence à diagnostiquer, les lymphomes malins, mais aussi tous les problèmes de fertilité qu'on a commencé à observer maintenant depuis quand même une bonne dizaine d'années, une baisse de la fertilité, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Je pense que si les agriculteurs ou les utilisateurs de ces pesticides étaient conscients des problèmes sur la santé, ils seraient peut-être plus prudents et ils appliqueraient peut-être mieux les consignes de sécurité quant à l'utilisation de ces produits-là. En los últimos 10 años se recurre masivamente a los pesticidas en los campos marfileños, incluso donde antes ni se conocían. Para entender hasta qué punto es así, veremos el caso de Louis Armstrong, horticultor de Mbimbo, a 2 horas de Abidjan. J'utilise du K optimal avec comme matière active le lambda cyalométrine et de l'acétamipride. Voilà, c'est pour lutter contre les insectes, les chenilles et autres. Voilà. Donc je fais le mélange dans le pulvérisateur avec mon eau. Je connais de manière superficielle hein, et tu sais que ça tue les insectes. Il y a plein de personnes qui l'utilisent et ils trouvent qu'il est efficace. Le vent n'est pas favorable, mais aïe, aïe, aïe. Voilà. Souvent, je combine les insecticides avec les fongicides et avec les engrais foliaires aussi. Pour mon espace d'action, je prends 5 pulvérisateurs chaque 2 semaines. Si j'utilise fréquemment les insecticides, voilà, je suis à l'abri. Mais lorsque j'espace les traitements, voilà, ils reviennent et puis bon. On peut surdoser un peu le produit. Je suis un peu lettré, donc ça fait que je respecte un tant soit peu les consignes. Bon, on ne peut pas aller acheter une combinaison comme ça, c'est un peu coûteux. Donc bon, je ne dis pas que c'est une combinaison, mais bon, mes pieds sont protégés. Mes mains sont protégées. Bon, il reste peut-être le visage et puis bon, le nez et la bouche. Mais bon, après traitement, on sent quelques légers mal de tête, quelques brûlures, quelques démangeaisons. Mais bon, après un bain, voilà, ça passe un peu de paracétamol et puis bon. On se détruit pour pouvoir nourrir les autres. Ceux qui se confient les... Luis no es el único horticultor que trabaja sin protección. A la mañana siguiente participa en un taller del Instituto de Formación, el INADES, y la diferencia entre la teoría y la práctica es pasmosa. C'est ça qu'on appelle les EPI. C'est que c'est les équipements de protection. Il faut un pantalon d'ici, il faut un habit ici jusqu'en bas. Hein? Voilà, pour pouvoir protéger le corps. Qu'est-ce qu'il faut encore d'autre? Un chapeau. Il faut un chapeau. Nous, on a dépensé 35 000 pour acheter tout ça. Est-ce que vous pensez que 35 000 pour vous, c'est quelque chose d'abordable? C'est lourd. C'est lourd. Pardon, tu n'as pas les moyens même pour payer les graines pour aller verser. Il y a comme un langage de sourds entre nous et vous et l'État. Parce que souvent, quand vous venez comme ça, là, c'est comme pour des besoins de rapport à vos supérieurs hiérarchiques que ce n'est pas dans le cadre d'améliorer l'agriculture ou bien les techniques culturelles pour le bonheur de nous tous. Toujours, on a toujours présenté nos doléances à Jean Danadella. Ils n'ont pas le souci de nous aider à résoudre concrètement nos problèmes. Si vous venez, je vous en prie, faites un effort pour lui monter l'information. Ils sont dans les bureaux, ils roulent dans les gros cylindres là. Nous, on est sur le terrain pour produire, on est pragmatique, apporter des solutions et vivre de notre sueur. En todos los pueblos del país, como aquí en Sianoguan, los pesticidas abundan en los mercados. Arjuma Dembélé es profesor en el Instituto de Seguridad Alimenticia. Ha ojeado para nosotros las tiendas de productos con nombres llamativos, como Rambo,
Kalash o Super Machete. Y descubierto algo sorprendente. Je peux voir un insecticide là, s'il te plaît. C'est cas optimal. Ouais, c'est bien ça. C'est l'acétamipride à 30 grammes par litre. Et puis le landacyalotrine à 15 grammes par litre. C'est la teneur en matière active. C'est fabriqué par Selevo. Donc, utilisé contre les mouches de fruits, les bémisières, les puces, les pucerons, les citadelles, etc. etc. Mais le produit peut être nocif si c'est mal utilisé dans la mesure où il y a un néonicotinoïde et l'acétamipride. Alors, ça, c'est un autre produit, à mon avis, qui présente encore plus de problèmes. Parce que celui-ci-là s'appelle Tricel 480EC. Et 480EC contient un seul principe actif, une seule matière active, qui est le chlorpyrifos éthyle. C'est un autre organophosphoré encore. Et il est dosé, hautement dosé, 480 grammes par litre. On n'arrive pas à lire bien qui est le fabricant. Ouais. On n'arrive pas à identifier. Je me demande d'où ça peut provenir. El Tricel es un insecticida a base de clorpirifos, una sustancia no homologada en Costa de Marfil y prohibida en Europa. Es neurotóxica, al igual que la coxitrin. Es el coxitrin C186. Es una asociación de dos materias activas, la cipermetrin a 36 gramos por litro y el profenofos à 150 grammes par litre. Le profenophos, c'est un organophosphoré. Tandis que la cipermétrine, c'est un pyréthrinoïde. Alors, si celui qui l'utilise dans les cultures maraîchères ne se protège pas suffisamment, ou bien il ne respecte pas les dates d'attente avant de faire la récolte, le produit va se retrouver dans les récoltes d'aubergines ou de tomates. Alors, ce n'est pas normal. Et puis, vous-même, c'est bien écrit « dangereux ». Mais dangereux, on ne met pas du jaune. Le jaune représente des produits qui sont nocifs. Ça devait être rouge. Carrément, il faut inverser. Il faut prendre le rouge avec une tête de mort, le mettre en bas ici et puis mettre le jaune ailleurs. La coxitrine, homologada et subventionnée par l'État, est un potent insecticide que Luis usa en ses cultivos. Se vende comme roscas en el mercado. T'as coton aussi, non? Le coton est fini. Bon, d'accord, c'est pas grave. C'est que je prends ça à la zone. Je prends ça à la zone. T'as combien? On l'appelle communément coton. Sinon, sur les étiquettes, les noms peuvent changer. C'est un produit qui a été recommandé pour traiter le coton. Mais étant donné que c'est même les mêmes ravageurs qui sont sur les aubergines et les cultures maraîchères, donc on peut prendre à côté pour venir traiter pour nous aussi. Dans le secteur, il y en a beaucoup de personnes qui utilisent le coton. Bon, le coton, on peut le trouver un peu partout. Hein. C'est facile d'accès aussi. Bon, c'est pas trop coûteux, 1500 à présent. Donc, ça peut faire l'affaire. On fait l'agriculture pour faire du profit. Si j'utilise les pesticides un peu dangereux, si je puis dire ainsi, et que ça a réussi à chasser mes ravageurs, et que mon exploitation elle est sauvée, je me fais du profit. Donc je me dis que c'est dangereux, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Les bidons de pesticides, je les découpe. Je les découpe et j'utilise pour faire du feu. On peut couper un bidon là, voilà, laver dedans. Il n'est pas aussi propre, mais bon. On peut utiliser comme verre, comme gobelet pour boire de l'eau. ¿Qué hacer con los bidones usados o los pesticidas caducados que contaminan el suelo y las aguas subterráneas? En Abiyán, la empresa RMG cuenta con el único incinerador de pesticidas de Costa de Marfil. Gracias al apoyo del Banco Mundial, el país ha logrado eliminar 329 toneladas desde 2018. Se trata de una urgencia sanitaria y ecológica, pero actualmente la recolección no avanza. Aquí estamos en uno de nuestros magasins de stockage de déchets avant leur incinération. Nous avons ici des pesticides obsolètes. S'il y a une campagne de collecte, okay, pendant une période donnée, on peut tourner à pleine capacité avec, mais
les quantités générées ne suffisent pas à faire tourner nos installations. Creada en base a la actividad del gigante suizo Syngenta RMG, también produce productos fitosanitarios a partir de principios activos fabricados en China, la India o Europa. En Costa de Marfil no son las grandes firmas, sino las pymes indias, chinas o europeas, quienes venden los pesticidas más nocivos a los productores minoristas. Nous formulons uniquement des produits qui sont fabriqués à base de dérivés de pétrole, les solvants pétroliers, kérosène et autres. Alors nous utilisons la lambda cyalotrine, le profénophosphate technique, la cypermétrine, la permétrine, la deltamétrine, la cétamipride, et qui sont utilisés pratiquement sur toutes les cultures. Pour le cacao, pour le coton, pour l'EVA, pour les maraîchers. Lo que más fabrican en RMG Costa de Marfil es la coxitrina, que es lo que Luis utiliza. Esta filial de un holding suizo tiene su sede en Abidjan, lo cual le permite comerciar legalmente este producto a base de profenofos, un principio activo prohibido en Suiza y Europa. Cuando solicitamos una entrevista con el director general de la empresa, Iván Dorier, se negó a salir en pantalla. La agricultura representa el 22% del PIB de Costa de Marfil. En Abidjan, el barrio de negocios se construyó gracias al cultivo intensivo del cacao, el cual representa el 40% de los ingresos de exportación. Pero hoy en día, las autoridades apenas tienen en cuenta la contaminación. L'État a pour rôle régalien de protéger la population contre les nuisances environnementales. Mais chaque citoyen a une responsabilité vis-à-vis de l'usage des produits chimiques en général. Ici, nous parlons des pesticides. Mais vous savez que la vie est liée aux produits chimiques. On ne peut pas se passer des produits chimiques. Ils ont été à la base de notre progrès. Ils ont été à la base de la préservation de notre santé. Mais ce n'est pas sans conséquence. Il faut savoir l'utiliser dans des cadres normés. Donc, c'est ce travail que nous devons faire. Informer, informer, informer. Con una media de un consejero por cada 1.700 campesinos, a la Agencia Nacional de Apoyo al Desarrollo Rural, la ANADER, le cuesta informar a todos. Y eso que muchos productos peligrosos siguen estando homologados por el Estado. En los campos de cacao de Abengourou, en la frontera con Ghana, Maurice Amadogo se lava las manos. Aujourd'hui, par exemple, moi, le produit que je viens d'utiliser, je ne connais pas la composition, mais je l'utilise. Mais il y a quel effet sur mon arbre? Cacaoyer et moi. Donc, en principe, ce volet-là, on devrait prendre le temps de nous expliquer, pas en une heure. L'encadrement joue un rôle très important. C'est vrai, la NADER existe, mais vous savez que dans mon village, nous sommes autour de 30 000 habitants et que 80% sont agriculteurs et qu'il y a un seul encadreur pour les 80% de ces producteurs. Ça ne marche pas. Presionado por los bajos precios de venta del cacao y la necesidad de mejorar su rendimiento para ganarse la vida, Maurice se excede con los pesticidas. Mais nous voulons utiliser plus de produits, mais le produit est cher. Donc si tu ne payes pas le produit, tu ne peux pas avoir assez de production. Donc tu seras à 300 kilos, 500 kilos à l'hectare. La moyenne en Côte d'Ivoire, c'est 3 hectares par personne. Donc tu te retrouves à une tonne et demie, tu ne peux pas payer l'école de ton enfant qui est à l'université, par exemple. Ici, nous, nos enfants, là, on les met à l'école pour continuer dans les bureaux. Nous, on vieillit avec nos plantations. Qu'est-ce qu'on fait? Donc d'ici 30 ans, ce n'est pas sûr que la Côte d'Ivoire maintienne toujours sa première place de production de cacao dans le monde. Je vois l'avenir du cacao sombre. Le prix compte, mais il faut trouver d'autres mécanismes pour que le producteur puisse diversifier ses sources de revenus. Le cacao seul ne suffit pas. ¿Se puede salir de un cultivo intensivo que utiliza cada vez más recursos? Al sur de Costa de Marfil está la favorecida región de Assagué, donde todo crece, incluso el cacao ecológico.
Eliane Nguessan es trabajadora agrícola en una cooperativa. En la Asociación de Mujeres Transformadoras que ella preside, el cacao es causa de alegría y no una esclavitud, y permite producir de otro modo. En Côte d'Ivoire, le cacao ordinaire est mal payé. Le cacao ordinaire est payé à 800 francs le kilo. Mais il faut voir tous ces acrobaties qu'on fait pour que le cacao même vienne à l'existence. Or, quand nous-mêmes, on prend le cacao, on torréfie, on décortique, on vend mieux même le décorticage, on vend mieux le beurre et on vend mieux les cacahuètes. Nos rêves, d'abord, c'est de nous voir un jour, en tant que femmes entrepreneurs, avoir nous-mêmes notre propre usine de transformation. Et aussi voir nos enfants, après l'école, qui n'ont pas de travail, venir travailler avec nous dans la société. Bonjour les mamans, bonjour, bonjour. Ça va bien? Merci, merci beaucoup. Ça va, on est là. Axel Guebau es un chocolatero marfileño. Gracias a él, la cooperativa vende a 4,5 el kilo de habas tostadas y descascarilladas, dos o tres veces más caro de lo habitual. Las mujeres también producen manteca de cacao o turrones. Con ese dinero pagan los estudios de sus hijos e invierten en nuevas explotaciones. De toute ma chaîne et mon label, je n'achète pas les fèves de cacao du champ. Pour moi, c'est l'économie de cueillette sur laquelle on a vécu pendant un siècle. Il faut changer les choses. Et donc, mon objectif, c'est de transformer aussi. Donc, je leur transmets ce savoir-là. Je viens aussi pour acheter surtout. Ça, c'est vraiment très important. Donc, acheter la production parce qu'elles ont besoin de débouchés. Aujourd'hui, j'ai fait d'elles des entrepreneurs. Ce ne sont pas mes employés, mais ce sont des entrepreneurs qui sont partenaires avec moi. Mais vraiment, ça, là, c'est... Même torréfié il y a 2-3 jours, ça reste très, très croquant. Ça, c'est... C'est vraiment exceptionnel. Axel cree que el problema viene del precio de venta del cacao. Considera que los campesinos necesitan asesoramiento para no tener que pagar el coste de ser ecológicos. Mesdames et messieurs, achetez et soutenez le cacao durable et équitable pour que ces femmes puissent être autonomes à travers le cacao. La valorisation du cacao, c'est le maître mot. Tout le monde doit transformer et vivre du cacao décemment. Je vous remercie. Merci. Bravo les mamans. Voilà, bravo. Encore. Les cacaoculteurs et leurs familles doivent être des personnes dont on doit prendre cœur. Parce que le monde rural porte l'industrie du cacao et du chocolat qui pèse 100 milliards de dollars. Et mais les paysans sont à la traîne. Ceux qui vendent les fèves de cacao, ils gagnent moins d'argent que ceux qui transforment. La tonne de cacao en 1970 était à 15 000 dollars. Aujourd'hui, elle est à moins de 2500 dollars. C'est indigne. Et c'est une situation intenable sur le long terme. Si vous voulez gagner de l'argent, mettez-vous du côté de la transformation. Je soutiens ces filières-là pour qu'elles s'éloignent le plus des pesticides. Parce que les pesticides mettent en danger la vie même des cacaoculteurs. Il faut faire du bio. C'est ça qui sera idéal pour eux. C'est déjà mieux rémunéré. Et puis aussi, y a quelque chose à valoriser là-dedans. Aunque aún son una minoría, el desarrollo de la transformación y del sector ecológico parece el único modo de mejorar la vida de los campesinos.